Alors, petite, que veux-tu faire maintenant? J'aimerais bien visiter ta maison, grand-père. Dis-moi, est-ce que je peux? Oui, bien sûr que oui. Allez, viens, apporte tes vêtements avec toi. J'en aurais pas besoin. Ah oui? Et pourquoi donc tu en aurais pas besoin? Tu sais que tu es une drôle de petite fille. C'est simple, je vais pouvoir courir comme les chèvres. Ouais, si tu veux, mais fais-moi plaisir, rentre tes vêtements. Bon, alors viens, allons déjeuner. Ça a l'air vraiment délicieux. Oh! Tu as fait tout cela toute seule? On dirait que tu as oublié quelque chose. Dans quoi je vais verser le lait? Oh. Voilà. Bon, là tout y est. Tu ne prends pas une chaise pour t'asseoir? J'ai promis à ton grand-père de te surveiller. Les rochers sont dangereux. Bah, où est-ce que tu vois des rochers? Tu les verras, on y va. Ils sont plus loin dans la montagne. Il faut monter encore plus haut, là où vit un vieux faucon. Allez, viens maintenant. Laisse les fleurs. Dépêche-toi un peu. Tu es pire que les chèvres pour lambiner en chemin, toi. Tu sais ce que je vais faire? Je vais en mettre partout dans mon lit pour le décorer. Et ça fera un grand champ rempli de fleurs, comme il... Tu sais, si tu les ramasses toutes aujourd'hui, il t'en restera plus pour demain, voyons. Oh. C'est vrai, je t'assure. Et puis, il y a le vieux faucon tout en haut de la montagne. Et il y a aussi le roi aux grandes cornes. Et les petites mignonnes. Tu veux les voir, hein? Oh oui, je serais heureuse de les voir. Mais qu'appelles-tu les petites mignonnes et le roi aux grandes cornes? Eh bien, tu verras. Mais il faut se dépêcher. Bon, d'accord.